Et bonjour tout le monde, nous revoici sur Spa. J'ai Grand Turismo, bien sûr, mode sport. Et c'est la suite en fait avec Iron Finger, que voici. Moro, que voici. Qui avait-il d'autre? Daniel Gonzalez. Et nous, on était en haut du podium avant. Il y avait aussi lui. On a fini tout en haut, donc on a été les 4-5 premiers. Et comme vous pouvez voir, franchement, bah, on est tout en bas en fait. Là après, on va commencer. Moi je commence 14e. Alors qu'avant, j'avais commencé 7e, je crois, ou 8e, un truc comme ça. Donc ouais, on est passé avec un groupe de personnes qui est beaucoup plus haut. Beaucoup, non, ils sont des meilleurs temps. Voilà, tout simplement. Ça se joue pas énorme. Et voilà. La course, ça va être mouvementée. On part de loin, tout derrière. Il va falloir remonter des mecs qui, de base, tournent plus vite que moi en time attack, en qualif. Donc voilà, faut sortir les doigts du cul, être régulier, attendre qu'ils fassent des fautes, etc. On grappille là où on peut grappiller. Avec un certain code de l'honneur quand même, hein. Quand même. Allez, je vous lance ça. Je vous dirais, gardez un œil sur Moro. Gardez un œil sur Magimix. Je vais essayer de vous mettre des bons plans de caméra. Je vais vous laisser voilà, profiter autant que possible. Allez, sur ce, bon visionnage à vous. Et à bientôt. À tout à l'heure. Ah oui, Olivier Anderson, là il commence 3e. Donc il a un super bon temps. Il y a Moreau aussi hein, qui a un bon temps. Et il était premier, mais il a fait plein de fautes. Il était premier en fait avant. Il a fait plein de fautes, c'est lui que j'ai dépassé. On est loin, loin, loin. Et on est là. On est loin. Hein. Il y a du bon temps. Allez. Tente de passer à l'attaque et de rester avec ton collègue Iron Finger avec qui on a fait une belle course. Ça part pas mal, mais la Porsche elle est bien derrière. Mais là, Anderson, je sais pas, il a eu un problème, il est passé 3e. Ah, sa caisse a été peut-être endommagée hein. Parce que ouais, il tourne bizarrement et tout hein. Oh oui, il y avait beaucoup de pénalités là. Oh là là, il crash. Il a la poussette non autorisée. Et ça part dehors. Il s'est rattrapé. Et là, il y a Moro qui, waouh, bel appui. Et là, par contre, ouais, ce qu'il fait, c'est pas correct. Hein. C'est pas correct. Enfin, j'ai vu ça, franchement, j'ai pris peur. Hein. Je me suis dit, maintenant, regarde. Je suis collé à 1 mm de lui. Je suis obligé de lever le pied. Ça aurait été lui, mais je pense pas qu'il aurait levé le pied. Hein. Tu vas voir la trajectoire qu'il prend et tout. Un petit sangouin. J'essaye de passer, de me faufiler, j'essaye, je suis bon, je suis bon, il ne peut pas aller à l'intérieur. Eh ben ça. Mec, t'as déjà 2,5 secondes de pénalité, putain. Essaye d'être propre quoi. Je prends bien le virage malgré la pression, derrière, devant. Allez, merci, au revoir. Moi sa pénalité, il la purge. Finalement, il a dû avoir des pénalités aussi pour être aussi lent. Ouais, t'as mis là, hein. Il met la pression.
Refreinage. Taillable passe de côté. C'est foiré. Et franchement, je suis pas mal. Hein. Ça commence à bien rentrer tout ça. Du coup, notre prochain rival, Magimix. Compatriote. Mangeur de fromage. Donne tout. Léger bruit de crispement de pneus. Et le moteur, on entend, il est bien lancé là. La voix. Et non, comme un âne, je le suis dans sa bêtise. J'ai freiné vraiment tard. Alors est-ce que c'était plutôt un virage parfait? Je sais pas, pour moi j'ai senti comme ah merde, je suis rentré dans sa connerie. J'ai dû rattraper le délai. Non, par contre, Petit quack, ouais. T'es où? Ça conne. Parce que je joue comme ça, je peux pas trop tourner comme ça en jouant pendant le virage. On va se la refaire. Salut. On va voir parce que on puisse voir comment il le prend. Ouais. Super large. Ouais. Là par contre ouais, je lui laisse pas trop de place, il perd le grip. Là moi je dois tourner, lui ben voilà, t'as perdu le grip, tu vas pas à la front quoi. Hein. Continue. Boum. La Magimix qui nous a fait une petite danse. On va le voir. Ouais. Et là, il n'a pas voulu. Bah, en fait, non, il était bon. Ouais, j'aurais peut-être dû lui laisser la place aussi, c'est sûr. Ça a peut-être dû me foutre en rage. Là, il a dû dire, c'est bon, je vais comme ça. Il a l'air d'être volant en fait, parce qu'après, il a des coups de raquette, ça fait bowling et tout. À ce qu'il paraît, j'ai pas assez joué avec le nouveau japonais aussi. C'était dur, d'ailleurs, c'était pas si facile que ça. Ah désolé Magimix pour... Alors le côté brouillon de la chose. J'aurais dû prendre un petit coup, tester la place. Désolé. On continue, on est bien, on rattrape, on est bien. Allez. Oufoufou, je commence à perdre la voiture. J'ai dû freiner fort à la fin. Là, bon, j'ai cogné un peu. Donc j'ai levé le pied à l'accélération. On ne voulait pas lui rentrer dedans non plus. À la accélération. Il ne faut plus frôler la portière. Je vais pas essayer. Là, il prend une trajectoire. Waouh. Pas con. Ouais. Trop large. Je suis même ressorti en troisième comme un escargot, ça passe. Ça va être loin. Voilà la petite glissade. Mais faut tenir bon. Faut tenir bon, vous foutez. Parce que là,
cinquième, hein. On revient loin, on était 14e. Hein. Ça fait plaisir hein, quand ça arrive à être passé dans un groupe supérieur. Pas spécialement de notes, hein, mais on a tous la même note. On est bon. Oh, est-ce qu'il y a une passe à grappiller à la fin? Est-ce qu'on finira quatrième? Non. Mais c'est déjà très bien, cinquième. Il n'y a pas de temps autour. Il n'y a pas le meilleur temps. 2:33, 2:29, c'est pas... Ah, c'est pas dingue, c'est mieux que ma qualif. C'est pas dingue. On est loin du 2:32.5. Mais la régularité a payé. Et voilà, tout simplement. Sur ce, tentons d'être le plus fair play possible. Ne faisons pas comme Moro. Qui d'ailleurs, il est où? Il a dû finir. Dernier. Ah bah j'ai mis que je suis désolé. Il a fini dernier. Ah si, il a dû abandonner. T'as y a eu, hein, pas mal, hein. Il a suivi. Hein. Et il y a aussi ouais, Reddington, hein, je l'ai dépassé. Il a gardé le cap aussi. Premier, c'est Pepito. Bien joué à lui. Pas la première fois hein, que je le vois et qu'il est premier. Sur ce, on se retrouvera très bientôt pour les aventures de la SLS sur Spa. Cette fois-ci, ce sera rendez-vous en enfer. Je pense que ce sera ma dernière sur. Ouais, ça va être ma dernière sur Spa. Enfin, pour aujourd'hui. C'est déjà franchement pas mal. Je vous ai un peu harcelé là. Donc désolé, prenez le temps. Vous savez bien, moi, je fais 2, 3, 4, 5, 6 vidéos pendant 2-3 jours. Après, pendant un mois, tu me vois plus. Hein. Et voilà, en mode Casper, salut. Non, je vais essayer quand même d'être dans les barrages. Dans les barrages, bien sûr. Voilà. Après, franchement, il y a des jeux que j'aimerais faire en solo. Des jeux solo où il y a une vraie story. Et... Ouais, c'est... Ouais, ça s'organise, quoi. Donc, bon. Mais je vous ferai bien ça. Si vous avez des motivations, des jeux que vous n'avez pas vus, mais qui valent le coup, qui sont beaux graphiquement et plaisants à jouer, ouais, n'hésitez pas à le dire. Je joue PSN, on a des jeux dedans. Voilà, quoi. Il y en a plusieurs, là, déjà, que j'ai envie de faire. Ratchet & Clank, déjà, rien que ça. Voilà. Ce serait une idée et un projet à faire. Allez, sur ce, à bientôt.